déconne. Oh putain. Ah oui, c'est là, je parlais, j'ai cru que je m'avais cassé la gueule. Bah voilà, je l'ai mon début. Hop, grand mur. Ethan, animateur radio, voix off et DJ. Bien, très bien. Ah, les allergies, franchement, ça c'est chiant. Putain, qu'est-ce qui me manque le plus? Je me parle. En live, ce qui me manque le plus, c'est les gens qui me font ça. Non, c'est mis à part ça. Les gens, tout simplement. Les gens, le public, l'énergie du public. Ça, c'est... Ouais, c'est ce qui me manque le plus. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, d'abord, j'en ai deux. Une en radio et une DJ. Alors, DJ, j'étais à Tarbes et le boss a complètement oublié que je venais mixer. Il m'a dit, tiens, bah branche-toi. Donc, pas d'électricité, rien du tout. Donc ça, c'est horrible. Et ensuite, animateur radio, c'était à mes tout débuts, une offre d'emploi. Je suis parti à Vichy. Le boss de la radio avait oublié là aussi de me prendre une chambre d'hôtel. On m'oublie souvent en fait. Donc je me suis retrouvé chez un vieux routier, une chambre à 25 balles, des sacs poubelles sur les vitres. Et c'était dans un bar. Et la patronne le lendemain qui m'accueille à poil pour aller chercher mon café. Donc voilà, ça c'est une belle anecdote de ses débuts. Solution mise en place comme beaucoup de DJ, c'est du podcast, c'est se faire connaître, c'est de montrer aux gens qu'on existe encore. Donc vraiment là pour le coup, les chaînes Twitch, internet, c'est un super média de communication. Après à notre échelle, on peut pas faire grand chose. Moi ce que je regrette le plus dans tout ça, c'est le comportement humain. Voilà, si on en est là, c'est pas anodin. On peut dire ce qu'on veut, si ça a été créé en laboratoire, si c'est naturel. Dans tous les cas, on est fautif et je pense qu'il va falloir changer notre comportement à l'avenir. En peur, je pense que c'est l'impact économique, la suite. L'impact économique lié au Covid. Qui va payer? Il faudra bien qu'à un moment quelqu'un paye. Est-ce que ce sera nous? Alors, est-ce qu'il y aura des répercussions aussi? Est-ce que certains vont en profiter pour augmenter leurs tarifs? Je comprends qu'on puisse augmenter ses tarifs, mais est-ce que certains ne vont pas abuser de ça? Donc ça, ce sera ma plus grande peur et la lassitude des gens et la peur des gens pour sortir. Waouh, les plus du confinement, il y en a eu tellement en fait. Waouh. Parce qu'on est tellement dans un circuit de travail, métro, boulot, dodo, la semaine, le mix, le week-end. Déjà, c'est de se poser. Donc ça fait du bien de se retrouver, alors si vous êtes en couple, de se retrouver en couple, ça fait du bien. Si on est seul, travailler sur ses projets. Vraiment d'approfondir ses projets. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis allé à fond dans mes projets et sur l'avenir, voilà, anticipation de l'avenir. Les gens qui m'ont étonné, les gens en général, le monde en général, la planète, confinée 4 milliards de personnes, franchement c'est pas rien. Et surtout que les gens, beaucoup de gens, quoi qu'on dise, sont restés chez eux. Et l'humain m'a étonné. Donc, et c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose qu'on vit, notre génération, notre époque. Et moi je trouve ça incroyable. En tout cas, les gens m'ont étonné, mais positivement. Comment j'imagine ma première soirée? Ah là là. Alors je dis au premier club qui va me booker, gros VHR, gros backstage, avec plein de potes, grosse soirée de malade. Non, il faut que ce soit la fête. Que ce soit une communion, faut qu'on se retrouve, ça va être la folie. Voilà comment je vois cette soirée, enfin je l'espère, après je connais pas les méthodes à l'heure où on parle, des gestes barrières, comment on va vivre ça, ce sera différent peut-être, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a un moment dans la soirée où ça va être très intéressant. Merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles sur les réseaux sociaux, j'étais étonné, donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup, merci d'avoir pris des nouvelles.
Alors, il y en a tellement de sons. Si je devais partir sur mes sons préférés, c'est les Moody Blues. Voilà, je suis plus dans un délire rock années 60. Sinon, actuellement, c'est Tony Romera qui a sorti un EP qui s'appelle Télévision. Et le morceau préféré s'appelle France 2. C'est ce que je kiffe en ce moment. Voilà.